Salut tout le monde, c'est Lenny chez Sportium. Cette semaine, on se retrouve pour l'épisode 6 de la web-série et le premier épisode de la saison hivernale. Regardez, j'ai vraiment les pieds dans la neige quand je vous parle et en face de moi, j'ai vu sur le Mont Blanc. Cette semaine, je suis à Passy pour pouvoir faire du ski de rando avec Mathilde et Etienne et je suis actuellement juste devant leur logement. Je vous montre tout de suite quelques images de l'intérieur et après, on discute de l'activité. Comme vous pouvez le voir, cette semaine j'ai pris mon matériel de ski de rando car demain on va aller se faire une petite sortie. Normalement ils allaient dans du grand soleil donc les images devraient être extraordinaires. Aujourd'hui c'était une petite journée tranquille, j'avais juste l'appartement à vous faire découvrir mais quand même regardez le cadre qu'il y a. Vous êtes entouré de montagnes enneigées, le ciel bleu, c'est tellement beau. Je viens d'aller faire mes courses à l'épicerie du village et sur ce moi je vous laisse devant ces magnifiques montagnes pour se retrouver demain pour l'activité. Ciao! Début de ce jour 2. Regardez, j'ai mes affaires de ski qui sont juste là. Là, j'ai commencé à préparer le reste. Je vais préparer mes affaires dans le sac à dos. Je vais mettre mes pots sur mes skis. Et après, on va prendre la voiture pour aller au départ des pistes. J'ai donc posé les pots sur mes skis juste là. Donc ça, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit retrouver dans le sac? Parce que là, on va aller faire du ski de rando. C'est un sport qui reste dangereux. Je vous conseille toujours d'y aller avec des gens qui connaissent le terrain ou alors des guides. Donc évidemment, on prend toujours l'arva, hyper important, dans le sac à dos, on l'allume. Moi, j'ai pris également, regardez, là, une pelle avec la sonde à côté, on ne sait jamais. J'ai une deuxième peau de secours pour mes skis au cas où, et une deuxième paire de gants, mais ça c'est juste pour mon confort personnel, pour réchauffer mes petits doigts au sommet de la côte. Direction le sommet de la montagne. Du coup Mathilde, on vient d'arriver à la station de Plaine Joux. Est-ce que tu peux m'expliquer aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller, etc. Ok, ouais, alors effectivement on est à Plaine Joux, petite station familiale, on est à 10 minutes en voiture du plateau d'Assy où on habite. Okay. On est au pied du Mont Blanc, on en a une belle illustration. Ouais. Et on vient faire une petite rando ski. Simple, c'est un itinéraire qui est dans la station, qui est sécurisé. En ce moment c'est assez avalancheux donc pas de prise de risque. Okay. Et puis on va passer un petit peu au travers de la forêt, en bord de piste, et on verra là-haut ce qu'on trouve pour redescendre et s'amuser. Ok, top. Non mais regardez-moi ça. Le petit burger à l'ail des ours qui provient du village face au Mont Blanc. On n'est pas bien là quand même. Hier, j'ai quitté le logement de Mathilde et Etienne pour redescendre chez moi à Annecy. Ce matin, on prend ma voiture et je vous propose de faire un nouveau spot en ski de rando que j'aime particulièrement. C'est vraiment un spot qui n'est pas très compliqué et du coup, j'emmène deux potes avec moi pour vous montrer ça. C'est parti! bien voilà, de retour à la maison. Ce matin, on s'est vraiment éclaté sur le Mont Sulens. On avait des conditions magnifiques. J'espère vraiment que ça vous a plu. On arrive déjà à la fin de cet épisode 6. Mais par contre, on se retrouve très bientôt pour la suite de mes aventures. Ciao!